Il est 7h07, désolé pour le retard, on attendait qu'on soit en onde sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. On ne l'est toujours pas, mais on est en direct sur Facebook. On ne pouvait pas faire attendre davantage hein, nos téléspectateurs sur Facebook, Jean-Étienne. Bien sûr, bonjour Jean-Humain et bonjour à tout le monde. Bienvenue. Oui, ça se dit. Hein. Bien sûr. On est le 28 mai 2018, c'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. Alors, on va parler de quoi le maire... Ah non... C'est tellement chaude cette nouvelle-là que je voulais en parler ouais. tout de suite. En Haïti. Mais on va parler après. Mais écoutez, on sait que Denner Seyd était dans nos murs ce week-end. Oui, Denner Seyd était dans nos murs. Tu étais très content de le rencontrer. Oui, c'est un de mes artistes préférés. Lui qui écrit pour beaucoup de groupes musicaux ici, ben, surtout en Haïti, à Miami notamment. Il est très sollicité par... Il n'y a pas un album qui ne porte pas un petit peu sa marque au cours des 5 dernières années. Et il annonce son nouveau groupe avec nul autre que l'excellent chanteur Réginald Kangé. On va vous parler de ça. On vous parlera aussi de Saint-Michel, de la situation à la mairie d'arrondissement de Saint-Michel avec... Tu as rencontré Franz Benjamin aussi. Franz Benjamin qui qualifie d'illégale la décision de Valérie Plante de demander à la mairesse Fumagalli de travailler de la maison. Et on parlera d'Haïti. En Haïti, ça, on sait qu'il y a des problèmes à Lester, par exemple. Ah ben oui, après Port-de-Paix, on ne sait pas s'il est mort, là, celui de Lester... Ouais. Le maire de Lester, Sénèque Estimable, qui est porté disparu, voilà, depuis 5 jours déjà. 3 jours. Depuis mercredi dernier. C'est 5 jours alors. Hein? Depuis mercredi dernier, on est lundi. Hein? Ça fait 5 jours déjà. On vous parlera de ça, de la réaction de la population qui a saccagé ou incendié des bureaux de l'État là-bas. Mm-hmm. Ou pourquoi? Ça a chauffé. Ouais, ça a chauffé, ça a bardé. Et ça n'a pas été trop joli aussi entre Jean-Renel Senatus et Guerrier Henry. Ah non, on devait s'y attendre. Ça se gâte là, parce que ça, non, c'était des bruits de couloir. Maintenant, les bruits sont publics. Jean-Renel Senatus, sénateur, avocat de surcroît, qui accuse un animateur d'émission de débat, d'opinion, Guerrier Henry, d'être utilisé, enfin, de diffamation, voilà. Et au Chili, les autorités mettent un peu de la pression pour qu'on ait des documents légaux pour nos Haïtiens. Oui, et Haïti a jusqu'en juillet 2019 pour justement régler cette question. C'est le Chili qui donne ce délai-là. Ils sont 200 000 Haïtiens déjà au Chili. Et l'État haïtien se trémousse pour venir en aide à ces Haïtiens qui ont besoin de toutes sortes de papiers. Notamment de bonne vie et mœurs là-bas pour finaliser leur résidence au Chili. Beaucoup d'informations à partager et puis François sera entre les informations locales et haïtiennes. Absolument. Mesdames, messieurs, restez avec nous, on vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, 7h11 déjà, et c'est le magazine de nouvelles apporté par Intexto. Pour l'instant, on est en direct sur Facebook. On devrait être en direct sur Radio Centre-Ville également. Et on commence d'emblée dans les informations locales avec Denner Seyd. Avec Denner Seyd. Il était là et tu as pu participer à ce programme qu'ils ont organisé. Il s'est prêté à un rare exercice vendredi dernier. C'était une causette avec le public montréalais. Ça s'est passé au Food Club Lounge qui est à l'auditoire de Radio Centre-Ville, donc 5214. Radio Centre-Ville, c'est un restaurant où on peut accueillir des spectacles, on peut manger, on peut causer, on peut tout faire. Ça, c'est tenu par Neil Armand. Pourquoi c'était un rare exercice? C'est un rare exercice. Il y a très peu de musiciens haïtiens, d'artistes haïtiens qui font ça, qui invitent le public à faire ça. Vous voyez? Donc, fait que... lui, il était là pour parler de tout ça et il a répondu aux questions de tout le monde, toutes les questions. Notamment, il a annoncé, depuis 2017, c'était annoncé, son groupe avec Réginald Kangé. Ça prend du temps. Il dit, écoutez, on est en train de travailler. On n'est pas pressé. Ça viendra et on travaille activement. Tout le monde sera content et ça va sortir bientôt.
Et je fais un petit résumé de tout ça. D'abord, à commencer par des animateurs qui étaient là, qui ont témoigné de l'écoute qu'ils ont de Denner Sehin, comment est-ce qu'ils l'ont découvert et qu'est-ce qu'il représente pour eux. Page dans le livre sacré là. Premier monde qui parle moi de Denner Sehin, c'est Toto, Toto Larax. Et quand parle de musique, je dis que bon monde, il est bon petit qui a venu là, comme ça. Il va échanger tout l'industrie à l'aise. Parce que Miami, il a fait un spectacle Miami, il détendait le travail que Denner a fait dans l'album Zinglien, résultat, tout bas et ça. Il est allé sur le Tibaï. Je veux dire, qui monde? Je veux dire, bon monde qui doit créer une révolution dans l'industrie. Hein? C'est exactement ce qui est arrivé. Rien que ça. Ronnie Delerme est animateur de l'émission Le 10-13 sur les ondes de Radio Centre-Ville à Montréal. Moi, je pourrais pas me parler, parce que je pose des questions à Ronnie, moi, je pourrais pas me parler de l'énergie, c'est Fanfan. Enfin, un petit bot, c'est un tabou combo. J'ai dit comme ça, bon, ah, un jeune qui va le paraître là, monsieur, il est Denner Sehin, Denner Sehin, bah, tiens, t'avais pas l'idée. Mais c'est le ça, monsieur, dit, tant, parce que c'est moi qui ai produit en ce temps-là, je dis, ouais, il y a un jeune guitariste qui n'a pas ça, et bien bon, c'est peut-être le début de sa nappe cherchée, hein, de renouveau de tabou combo. Effectivement, ça touche. Jouette monsieur t'es séduit. Steve Jecroy est producteur, organisateur de soirées et animateur de radio depuis plus de 50 ans. Moi-même personnellement, pour des fois Mtando, c'était son album Look and Sound Freedom. Donc je crois probablement te chanter une ou deux musiques jusqu'à toi. Sur l'album ça. Et vous dites, le mec qui était happé tout de suite, c'était me dire, ah mais c'est différent. Franz Benjamin, poète, politicien et amoureux fou d'art, de culture et de littérature. Le 25 mai dernier, Denner Sehin s'est prêté à un rare exercice, une causette avec le public. Le compositeur de l'Agence Serrée et de bien d'autres tubes de l'industrie musicale haïtienne invite l'assistance réunie au Food Club Lounge dans l'intimité de ses œuvres. Musique d'amour, clairement, c'est des expériences vécues. Pas souvent expérience que nous qui prise comme si nous faisons. C'est l'expérience que nous faisons peut-être dans les petits petits. Des gens même qui racontent des histoires qui sont tellement fortes, tellement frappées, que nous combinons avec l'expérience femme et tout le monde. Les petits petits à 8 ans. Tout le monde qui le veut chez Rex New du Sud, Kazou, vous êtes imaginé dans Tabou Combo. À 8 ans. À 28 ans, il entre en effet au Tabou Combo. Un peu comme Dadou Pasquette en 1968, Denner Sehin, malgré ses élans, son talent, son confort, dit-il, se sentait seul et frustré. Vous avez appris à Nego, mais il y a aussi des frustrations aussi. Vous comprenez? Pourquoi vous avez des questions pour qui ça? Je ne fais pas quelques hits avec une série de l'autre jazz. Et puis, je ne fais pas vraiment des hits avec Tabou Combo. Le bon problème qui gagne, je ne vais pas blâmer. Mais c'est deux écoles différentes. C'est deux courants de pensée différents. C'est deux visions différentes. Après 8 ans, le guitariste-chanteur en vient à la conclusion qu'il fallait quitter son groupe de cœur et de rêve. Mais Denner Sehin n'est jamais loin. Il y a 2 semaines encore, il était au Mozambique, en Afrique, avec Tabou Combo. Mais le musicien dit vouloir aujourd'hui tracer sa voie. Bon, c'est qui dit mon bagage. Il dit, là, j'amène la raison. Mais lui-même, il dit, bon, l'autre, il dit, là, j'amène la maison. Ça veut dire, bon, là, je vais voir un caïpan. Et je pense qu'on n'y a pas bien caïpan. Son propre groupe, annoncé depuis 2017, doit sortir bientôt. On ne connaît pas encore le nom, mais au moins, on sait déjà quel chanteur partagera le micro avec lui. Je pense que moi, original, j'ai un apport, nous avons une place dans la musique haïtienne. Nous, nous complémentons l'autre. C'est un nègre qui rejoint moi artistiquement, vision musicale, rejoint moi, vision musicale, pas rejoint moi. Nous, toujours, c'est une belle collaboration et nous avons travaillé. Et je joue un résultat quand même.
Denner Seyid refuse de se considérer seulement comme un musicien. La musique est un aspect de ma vie. Je l'utilise comme vecteur pour exprimer tous les sentiments qui me traversent, dit-il. À la fois l'amour, la haine, la colère, la frustration, etc. Mais ce que redoute le plus l'artiste, ce sont les pressions indues qui viennent des fanatiques et de la presse en raison du manque d'esprit d'ouverture par rapport à son anticonformisme musical. Animateur radio avec fanatique, vous les avez, l'armée soldat jazz. On ne peut jamais faire des bagailles qui sont remarquables, qui sortent de l'ordinaire. Parce que vous avez une pression. Donc si vous faites une musique à marcher et puis vous faites des bagailles qui sont totalement différentes, vous avez crucifié. C'est facile pour vous crucifier, sous sortir de l'ordinaire. Vous avez demandé un peu de courage. Musicien, vous avez un peu d'audace, mais un peu de courage tout, pour affirmer, pour faire des bagailles. Pour nous sortir de l'ordinaire, il faut nous. Vraiment, un peu de courage parce que j'ai un peu d'animateur qui a dit mon cher, ou pas, monsieur, fais ça, faut faire des bagailles comme ça. Même quand il y a des clients, des artistes qui me connaissent, ils me disent mais fait bon, musique, t'as cru, intègre. Je me dis mais ça va, c'est pas du tout pas ça. Chaque inspiration, il y a des gens qui le web pour faire succès, ou pas qu'on qui salde fait, qui dévile si jambé l'enfer, ou pas jamais connaître. Voilà, on va laisser la culture tranquille. Pour se rendre à la politique, justement, qu'est-ce qui se passe à Saint-Michel? Il y a des allégations d'harcèlement psychologique. Hein, et c'est des employés, notamment une ancienne employée de l'arrondissement de Saint-Michel qui a porté plainte contre l'actuelle mairesse, Juliana Fumagalli. Et depuis lors, vous vous souvenez, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lui a demandé de laisser son bureau, mais de travailler de la maison. Ça, le conseiller Franz Benjamin, d'origine haïtienne, évidemment, ne le prend pas. Il dit... Ce que Madame Plante a fait et a demandé est illégal, ce qu'elle a demandé. Et Juliana, c'est notre mairesse, donc, et notre mairesse n'est pas là. Parce qu'une mairesse... Mais je ne comprends pas. Les règlements disent ça, que la mairesse devrait travailler à la maison, advenant une situation comme ça. Il n'y a aucun règlement qui prévoit ceci. Donc, c'est une décision, somme toute politique, qui a été prise. Et cette décision-là, je la déplore. Je déplore cette décision-là, puisque la loi sur les cités et villes ne donne aucun pouvoir à Valérie Plante, à la mairesse de Montréal, sur un autre élu montréalais. Lorsqu'il y a des allégations, ce qui est prévu, lorsqu'il y a des allégations, il est prévu en vertu de la loi sur les cités et les villes, il y a la commission municipale, il y a le ministre des Affaires municipales qui a le pouvoir de demander une enquête. Donc c'est ce qui est prévu. Maintenant, on verra. Où est-ce que tout ça, cette médiation-là va aboutir? Mais en attendant, deux choses que je déplore, que les citoyens de l'arrondissement n'ont pas leur mairesse, parce que la mairesse, c'est quelqu'un, j'ai vu Juliana au cours des dernières, dernières semaines, c'est quelqu'un qui était très présent donc, auprès des citoyennes et des citoyens. Un élu, c'est pas seulement quelqu'un qui vote, c'est pas seulement quelqu'un qui... Oui, bien sûr, la première fonction d'un élu, c'est de voter, c'est de participer au conseil municipal et au conseil d'arrondissement. Mais un élu, sa responsabilité aussi, c'est d'être présent auprès de ses citoyennes et ses citoyens, de ses commettants. Donc, si c'est aussi illégal, pourquoi madame a décidé quand même d'accepter de travailler à distance? Selon Franz Benjamin, c'est parce qu'elle fait partie de la même formation politique que madame Plante, à savoir Projet Montréal. Et ce que Franz Benjamin ajoute, c'est que si c'était une élue de sa formation politique, qui s'appelle Ensemble Montréal maintenant, et non équipe de Nick Coderre depuis la défaite de M. Coderre, et bien, cet élu-là n'aurait pas acquiescé à la demande de Mme Planté. Elle aurait pu le demander, mais cet élu-là ne l'aurait pas fait. Parce que légalement, elle n'a pas ce pouvoir-là. Donc vous pensez que Mme Fumagalli devrait revenir à la mairie? J'espère le plus vite que possible. J'espère le plus vite que possible que tout ça sera derrière nous. Je l'espère. Et je l'espère pourquoi? Pour les citoyennes et les citoyens de l'arrondissement. Donc qui majoritairement ont voté Juliana Fumagalli le 5 novembre dernier. Je l'espère fortement parce que évidemment on m'a assuré que tout ça, tous ces déboires ne porteront pas préjudice sur les services, la prestation de services aux citoyens, ça c'est déjà bien. Et moi je suis là
avec des personnes comme Mairie de Ross, avec les autres élus qui sont là au conseil d'arrondissement aussi. Mais aujourd'hui, donc, je déplore tout ça. Ce n'est pas une bonne chose qui se passe pour l'arrondissement. Ce n'est pas une bonne chose. En attendant, on va parler de l'immigration. Oui, j'espère que François a de bonnes nouvelles pour nous. Bonjour François. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui. Comment allez-vous? Ah ben, pour un lundi matin, ça va, mais on a eu quelques pépins techniques hein, avec Radio Centre-Ville. Bon, mais ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. On est en onde, là. On est en onde, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai deux nouvelles à partager avec vous. Et la deuxième, je vais commencer avec la moins importante, mais la deuxième, elle est, je vais prendre le temps pour en discuter. Et première nouvelle, c'est que on a un Chinois qui est résident permanent en Colombie-Britannique. Il avait été impliqué dans un trafic de cocaïne. Mm-hmm. Il avait plaidé coupable pour pouvoir faire assouplir sa peine. Ça veut dire qu'il a écopé de 9 mois d'emprisonnement. Mm-hmm. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que son avocat ne lui a pas dit, c'est qu'une fois qu'il est résident permanent et qu'il a écopé d'une peine de plus de 6 mois de prison, ben automatiquement, sa résidence sera révoquée. Il sera déporté. Ouais. Alors maintenant, la cause a été entendue par la Cour suprême, parce qu'il ne voulait pas quitter. Mm-hmm. La cause a été entendue par la Cour suprême, qui a une décision 4 contre 3, a dit, et alors ce qu'il a fait, il lui a dit, bon, moi je ne cadais pas. Maintenant, je vais enlever mon plaidoyer de culpabilité et puis je vais défendre ma condition pour savoir exactement quel sentiment je vais avoir. Parce que généralement, quand on peut être coupable, on a une peine moins sévère. Et puis, je vais enlever mon plaidoyer de culpabilité. Je vais avoir maintenant un procès en bonne et due forme et pour pouvoir rester au pays. Alors, la Cour suprême a dit non. Une fois qu'on a plaidé coupable, c'est fini. Ouais. On a donné beaucoup de motifs que ce soit. Et une personne, avant de plaider coupable, doit s'assurer d'avoir des bonnes informations. C'est quand même pas un jeu, là. Oui, bien sûr. C'est ça. Parce que sinon, tout le monde peut dire j'enlève mon pouvoir de culpabilité. Mais les trois autres juges ont voulu donner une chance à monsieur parce qu'ils ont dit ce sont des détails assez particuliers, assez complexes. Il se pourrait que monsieur ne soit pas bien informé, ne soit pas bien compris le sens de sa plaidoirie de culpabilité. Alors, on voulait lui donner une chance, mais comme vous savez, c'est la majorité qui importe. Quand on dit non, alors monsieur devrait quitter le pays très bientôt parce que il a plaidé coupable, il a été impliqué dans un trafic de cocaïne. Maintenant, l'autre nouvelle, c'est le ministre de l'Immigration qui était à Montréal vendredi dernier. OK. Et il était à Montréal vendredi. Monsieur Hussein. Oui, monsieur Hussein. Oui, il était de passage parce qu'il a été invité par un groupe de. Je ne parle pas le nom exactement, mais il a été invité à donner une conférence. Et là, maintenant, il annonce quelque chose de très particulier. Écoutez bien ceci. Il dit que, à partir de maintenant, les dossiers seront traités sur le principe de mieux entrer pour mieux servir. Quoi? Je ne sais pas si vous avez compris, là. De mieux arriver, ça va se passer comme ça au Canada, de manière générale aussi? Mais qu'est-ce qu'il explique pour justifier ça, François? Alors, je parle des gens qui sont entrés sur la route de Roxane. Je parle des gens qui sont immigrés. On parle pas des personnes qui sont venues au Canada, qui ont fait une demande d'asile. Alors, il dit que la meilleure façon de décourager les gens à passer sur la route illégale, c'est de commencer à traiter les dossiers des meilleures personnes qui sont arrivées. Et à partir de là, maintenant, on va pouvoir trouver une solution de mieux entrer pour mieux sortir. Ben, je ne comprends pas. Moi non plus. Vous ne comprenez pas. Non, ben, ça pourrait décourager les gens comment? Je vais vous donner un exemple. Okay. Quelqu'un est entré le 3 janvier 2018. Ouais. L'autre est entré le 15 mai 2018. OK. Alors, on va traiter le dossier du
de celui qui a appelé le 3 mai 2018 avant le 3 janvier. Ok? Alors, on va attribuer ce dossier avant, parce qu'une fois qu'on fait ce dossier, et d'ailleurs, il dit qu'il y a 64 nouveaux commissaires uniquement pour le dossier des personnes qui sont entrées de façon irrégulière. Et comme il fait que ces jeunes-là seront refusés, et on va les déporter immédiatement. Et une fois qu'on les déporte, alors cette personne-là n'aura pas le temps d'appeler ses amis pour dire « Ah, je suis à l'aise au Canada, j'ai mon permis de travail, j'ai ceci, j'ai cela. » Alors cette personne-là va être déportée et elle ne pourra pas faire la publicité à ce niveau-là. Mais ça va être traité sur place à la frontière, alors? Non, pas là, parce que la personne va entrer sur le territoire, elle va avoir son audience, mais puisque ce dernier arrivé pour lui servir, alors les gens qui arrivent, comme on a déjà un arrivé, on se sent bien, on a déjà beaucoup de personnes en attente. Alors maintenant, supposons que ce projet commence au mois de juin, alors les personnes de mai vont avoir une audience avant celle de janvier, avant celle de décembre, avant... Je comprends pas du tout cette logique-là. Ah ben, je comprends ce qu'il a dit. Peut-être je comprends ce qu'il a dit, je ne comprends pas la logique du fait que si on fait le dernier servir en premier, ça va changer, je sais pas, ça va décourager les gens de venir. Alors, il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit, mais il y a un peu, mais minime, 5%. Parce que la plupart des gens qui sont venus, j'ai été ils ont dit à d'autres que moi maintenant j'ai mon permis de travail, et moi je me souhaite de l'aide. Oui, ça veut dire il y a un peu de vrai. Oui, mais alors, si tu as ton permis de travail et tu as un peu de l'aide, ça ne veut pas dire que tu as une résidence ici. Tu es en c'est un processus. Dans le cas de quelqu'un qui était au Brésil, qui n'a pas eu ces avantages-là, qui n'a pas eu de l'aide, qui n'a pas été aussi bien accueilli de lui-même. Alors, c'est sûr que lui, il aura tendance à dire aux autres qui sont aux États-Unis, « Ah, le Canada, c'est un bon pays, le Canada. » Alors, il y a un peu de vérité à 5%. Alors, même lui, on dit qu'on va miser sur ça, on va commencer avec le dernier entrée. Alors que la logique, vous dites que c'est le premier arrivé pour lui servir. C'est ça la logique. Donc pour le ministre François, le nombre d'immigrants illégaux qui arrivent ici, c'est parce que ceux qui sont arrivés le premier les appellent pour leur dire, écoute, venez ici, tout est beau. Oui, pour le ministre, il y a un effet d'entraînement. Par exemple, regardez ceux qui sont arrivés de Nigeria, alors ils sont venus parce que peut-être ils ont eu l'écho qu'au Canada, ça va bien, comme je vous dis, il y a un peu de crainte. Alors, on attend pour voir ce que ça va donner, mais ça crée un peu de frustration pour ceux qui attendent depuis quelque temps. Oui, c'est clair. Alors, là, maintenant, c'est comme ça, il dit que 64 nouveaux commissaires seront, je ne sais pas quand ils vont, c'est la semaine dernière, j'étais à la commission, moi, je n'ai pas vu de nouveaux commissaires, je ne sais pas quand ils vont prendre. Ils vont commencer la fonction. Alors là, maintenant, on va voir. Mais pour lui, c'est la façon, c'est une des façons. Parce qu'effectivement, il y a un problème au niveau de la frontière. Comment doit-on résoudre ce problème-là? Tout le monde essaie de donner des solutions. Alors là, ils ont inventé ça. Et je sais qu'il y a une comptabilité, il y a l'AEPO, pas l'AEPO. Mais je dis en même temps qu'on allait appliquer ce principe de comptabilité au niveau de l'immigration. Alors, voilà la situation. Et c'est pourquoi ils voulaient vous parler de ça. Voilà. Alors, dans certains médias, on dit qu'Ottawa s'attaque aux demandes d'asile irrégulière parce qu'on dit qu'on veut démontrer effectivement que le gouvernement fédéral prend les choses en main et ne va pas laisser les faux demandeurs d'asile changer le système. Okay. Bon. Mais merci beaucoup, François. Merci. Bonne journée à vous deux. Et à demain. Je rappelle que François dirige la firme Vision Max Service spécialisée en immigration. Vous pouvez voir les coordonnées de Vision Max Service à l'écran sur Facebook, que ce soit le téléphone, le site internet, tout. Et appelez François si vous avez des questions pour lui. Merci François, à bientôt.
Qu'est-ce qui se passe à l'Esther? C'est ce qu'on va voir après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisagez une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246-1203, poste 242. Ou al fè afè ak yon kompany de Green Gauche tèt bobèche pou régler dosye immigration au Canada pou te ka fè ekonomi bout de chandèl ou ap vin plein yon pran refu parce que dosye ou mal préparé, formulaire ou te mal rempli ou même ki te vle sa m te pale ou. Tu vois, pour le même genre de dossier, ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin, rue El Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétiques à multi-inc à baisse ses prix, et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expressions liquidées à seulement 4,25$. Cosmétiques à multi-inc, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques à multi-inc vous rembourse le double la différence. Cosmétique Multi I4290 est Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514-89-5429. J'adore Cosmétique Multi Ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Mm-hmm. 7h35, avec un peu de retard, ce sont les nouvelles d'Haïti. On va parler... Comme on l'avait annoncé, on va se rendre dans l'Artibonite, particulièrement dans la commune de l'Esther, parce qu'on sait qu'il y a la disparition de Sénèque Estimable, l'un des maires de cette commune. C'est le maire principal. Ouais, le maire principal. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Figure-toi, après Port-de-Paix, oui. Hein, avec Tony Vergniaud, qui a été tué lors d'un accident de la circulation, eh bien maintenant... Il y a une semaine. Hein. Ah ben oui, c'est le maire de l'Esther qui est porté disparu, voilà 5 jours déjà, qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Et il était rentré à Port-au-Prince, justement, en compagnie d'un des maires assesseurs avec lui, en transport en commun, s'il vous plaît. Ouais. Et on a des nouvelles du maire assesseur, mais lui, on n'a pas de ses nouvelles. Écoutons Johnson Richemont, qui est le responsable de communication de la mairie de l'Esther. Dernière conversation que moi-même, mon gars avec magistrat, c'était mercredi, dans matin, aux environs de 9h40, il a rentré pour au prince. Ça veut dire, nous pas ouais magistrat, et nous pas rien contrôlé depuis mercredi, dans la journée mercredi, nous relais sur tout téléphone, nous pensons que nous sommes capables de venir. Nous avons fait contact avec mon qui est dans la destination qu'il a travaillé, à Taco Port-au-Prince? Non, oui, quand nous connaissons d'ordinairement, qu'il compte passer l'air à l'époque, nous contactons mon et que mon dit que nous pas trop magistrat, dans le jour. C'est qui ça le travail fait, votre prince? Il n'a pas dit effectivement que ça le travail fait, parce que l'idée de me faire ma caille pour lui, et justement, moi, fini faire, ça me définit faire, et que moi, je l'ai pour authentification, pour moi, même publier lui. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé texte à parler, parce que je n'ai pas voulu l'avoir demandé, est-ce que lui est disponible pour vous texte à lui. Et puis, c'est de là étant, et moi, je viens faire du contact avec parce que l'idée dit que téléphoner d'après, je charge. Ça veut dire, nous-mêmes, nous essayons, et jusqu'à présent, rien pour marcher. Vous ne pas connaître qui ça le travail fait, mais c'est pourquoi il était en train de voir ça, ou bien il était en accompagné lui? Bon, il n'y a pas de gagné monde qui était dans quelque chose de service au niveau mairie qui accompagne. Par exemple, il y a de sécurité avec elle. Il y a une information qui fait que il y a un homme assez supérieur qui était accompagné, ou confirmé? Oui, je me suis parlé avec un adjoint qui te dit que effectivement, il était monté même machine pour te mettre pour presse. Après ça, il dit magistrat de séparer avec le chatal et chatal de gaffe par eux. Donc, Mais l'assesseur lui-même, c'est pour toi pour s'étaler tout. Est-ce que lui-même est arrivé pour ton prince? Oui, il est arrivé. Il dit qu'il est arrivé. Je répète effectivement ça le dire. Il est arrivé et que dans le cadre bloqué ce qui était prêt.
te rive, puis après magistrat lui-même, il te prend au taxi moto, et puis pour te aller côté, il te gagne pour l'aller. C'est qui est-ce qui t'a conduit? Non, c'est un transport en commun qui est au départ. Ah, mais ou pas qu'on a qui niveau, c'est pareil? Non, pas qu'on a, pas mesure pour me bagarre ça, je ne pas qu'on. Cette situation a semé beaucoup de problèmes, justement, dans ça la bardé, ça s'est gâté à l'Esther, la population qui protestait. Le maire, il est juste porté, disparu. Effectivement, ça commence à être inquiétant, 5 jours. Mais lorsque ces protestations-là ont eu lieu, et ça faisait pas 5 jours déjà, là. C'était genre jeudi, vendredi, enfin samedi dernier, les gens sont sortis dans les rues pour protester contre la disparition du maire Sénèque Estimable. Alors, ils ont tout cassé, des bureaux de l'État, ONI, district scolaire. Il y a un autre bureau qu'ils ont saccagé. En tout cas, on va écouter Exalus Marjona. Habitants Sayo qui a exigé retour magistrat principal communant Sénèque Estimable qui a disparu depuis mercredi 24 mai passé à craser toute porte en vitac PCA de Meria sans compter tribunal de PA qui subit gros dommages en bas mes protestataires. Selon information, Sénèque Estimable est rentré dans la capitale la Port-au-Prince côté il était allé dans BRH pour faire une transaction depuis mercredi 24 mai à, pour jour journée jeudi à personne pas de nouvelle magistrat il pas qu'à joindre même dans téléphone. Protestataires yo avec l'autre proche magistrat longé douette sur yo nan maire adjoint yo Luc Nidor Silon yo dit qu'il était accompagné mais titulaire à Port-au-Prince mais qui était retourné sans lit depuis mercredi sorti il y a 2 portables Digicel Natcom depuis fait une heure téléphone pas capable sonner même quel que soit côté lié il était passé avec yo magistrat pareil Luc Ni et Luc Ni vinim pas chom car magistrat nan ses droits pour révolter ou vite quitter ça avec Luc Ni ou vite quitter protestataires yo estimé ce n'est qu'estimable c'est un monde qui t'a bien travaillé pour commune faut que retourner. Je ne pas qu'il n'y pas senti mal à l'aise même. Parce que son nègre qui travaille, il a fait développement pour son nom. Son nègre qui font plus de travail dans son nom. Amène que nous n'avons pas de route, c'est vrai. Mais qu'il y a d'autres bagailles, nous pas jouer nous, nous pas jouer quand même. Parce qu'il a travaillé pour ça, il a joué pour ça, il a défendu. C'est son monde qui aide en plus le peuple. Au niveau de monde qui a l'école, M. Baye souhaite qu'on aide tout le monde. Fondi, mobilisation proche, c'est n'est qu'estimable. C'est la cause du mouvement tension et panique dans la commune Lester, côté circulation été paralysée pendant un bon bout de temps, surtout à Wash et Katouche, qui t'a tiré. La police Lester, qui était dépassée par l'événement ça, t'es obligé de faire appel à commissariat Gonaïve et Semak, qui t'a voyé le backup. Inspecteur Philippe Just, c'est responsable commissariat Lester. Effectivement, et ça fait 2-3 heures de temps là, depuis la police a géré une situation. Une mot Semak, une mot Gonaïve, Lester, nous en bral. Inspecteur, plus loin, fait qu'on est. Yo déjà commencé à faire des marches pour qu'on ait qui ça qui arrive magistrat. T'assemblée, mère Lester, là, porte disparu. Mais nous, nous là, nous travaillons. Nous avons informé l'hôpital, nous informé morgue, nous informé toute instance pour nous informer, pour nous capables vraiment joindre. Yon indice. L'important pour nous signaler, mère adjoint Luc Nidor Silon, pour ce n'est que si Mabio accusé comme complice dans ce qui passé, t'as déjà metté la couvée. Eh ben, c'est un peu comme à part de quoi. Ouais, mais hein? C'est assez. Le maire principal, Josué Alusma, hein, ben, il s'est mis à couvert aussi. Hein, après la mort de Tony Vergniaud. Il va falloir qu'on suive un peu ce que ça va donner, cette information-là. Ouais. Jean-Mounel Salatus, à Port-au-Prince, qu'est-ce qui arrive avec le sénateur et ses chroniqueurs? Oui. Ouais. Il y avait des bruits de couloir hein, avant concernant ces deux hommes-là. Moi, j'ai personnellement rencontré, lors d'une visite ici à Montréal, Jean-Renel Senatus, qui me glissait des mots hein, sur cette situation entre lui et un animateur d'émission de débat, Gary Henry, sur Radio Méga. Et bien, aujourd'hui, lors d'une conversation téléphonique et enregistrée de Jean-Renel Senatus, il accuse carrément l'ancien Premier ministre Laurent Lamothe et ancien candidat à la présidence d'être responsable d'une espèce de machination, d'une campagne de diffamation contre lui, mais à travers Gary Henry. Ça, il l'a dit publiquement, définitivement. Et l'affaire, c'est que il dit que Laurent Lamothe, l'ancien Premier ministre, voulait financer sa campagne électorale. Ça remonte à quelque temps. Depuis 2016. La campagne de Jean-Renel Senatus. Et que Laurent Lamothe lui aurait envoyé une enveloppe brune remplie de liasses, ok, et il aurait retourné ça à Laurent Lamothe. Et ce que Laurent Lamothe aurait fait, c'est de donner cet argent à Gary Henry pour le salir. Écoutons Jean-Renel Senatus. Lamothe voulait quoi pour me tourner enveloppe Lamothe Bali parce que m'pas voulait quoi pour ça entrer dans l'élection. Malheureusement, c'est même Lamothe qui a l'utiliser ou même pour attaquer.
Parce que la mode prend quoi que vous voyez pour le partager le baou, pour le baou même, pour le voyer deux journalistes qui m'ont beaucoup accès, attaquer nous même. Non, je ne vais pas monter. Parce que je vais. Ok. Vous pouvez monter. Non, je ne vais pas monter. Vous avez preuve de ça. Vous avez preuve de ça. Oui, vous avez preuve de ça. Hier soir, on a parlé dans la radio. Alors, l'homme de ça, c'est l'autre attaqué, non? À le 11 août 2015, moins qu'à 1h du matin. Lorsque tu fermes le téléphone sous moi, dans la radio Zénith, là. À 1h du matin, j'ai des informations qui vont attaquer la sortie. Et c'est moi qui te voyais comme ben moi que je parie se voir, dont la motte, qui te mettait ou même, avec deux autres journalistes qui m'ont pas cité, nous l'avons pas emmerdé, pour te attaquer. Et l'aimer, la motte, dit la motte, je vais finir avant. Et ça, je vais enregistrer. La motte dit, je vais relever pour faire respect. Et relever pour faire respect. Je vais rencontrer avec vous, en fait, qu'il y a la motte. Parce que la motte, c'est patron. C'est des accusations assez graves, quand même, Jean-Marc Goudou. Oui, assez grave. Et Gary Henry a répondu par la suite, en onde, et pas lors de cette conversation. Hein, vous l'avez entendu aussi. Mm-hmm. Hein, pendant la conversation, il était assez calme. Par la suite, il est intervenu sur les ondes dans le cadre de son émission pour dénoncer un ensemble de choses, pour dire, ben écoutez, lui, il ne fonctionne pas comme ça, il n'a jamais reçu d'enveloppe brune de qui que ce soit, et que... il est moins cette enveloppe remplie d'argent. Oui, 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 il a parlé de deux de ses amis en politique, en parlant de l'ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, mm-hmm. qui est son bon ami, mm-hmm. et Francky Exeus. Aussi qui sont deux politiciens avec qui il entretient de bonnes amitiés, et il dit qu'il est un tenancier de Borlette, mm-hmm. et c'est dans ça qu'il fait son argent. Quoi que l'on est cassé d'une en question de l'église, le premier côté de me commencer à m'investir comme moi, c'est dans la question de loterie qui permet que il y ait d'autres secteurs que m'a identifié. Et je vais dire ça là, soit là, ou émission ça m'a fait là. Pour information tout le monde et administration ça existait émission ça beaucoup bon mon un goût là ou bien malaise ou pas ouais comme si quel que soit média arrivé malaise et pas parce que justement si soit Okiki ou bien Onondi ou bien n'importe ordinateur qui connait qui demande de l'argent mais aussi bien et même plus bien parce que ça veut dire cette histoire de chantage m'pa gagne ta dame regarde hier. Je parle de Carlos Lebon, on est qui fait bien, on est qui sort dans le même département avec moi. Je suis responsable ça. Tout journaliste, pour fonctionner bien, il ne faut pas gagner à faire des amis avec la politique. Tout journaliste qui a besoin de fonctionner bien, ou pas dans la question des amis avec. Vive selon moyen ou rien. Enfin, on n'est pas en train de parler du journalisme là. Hein. Ben oui, dans ça, des émissions comme ça, là, il faut séparer ces deux-là. Hein. Vous faites une émission de débat et d'opinion. C'est même pas débat. Devenir, c'est même pas débat, c'est d'opinion. Vous voulez devenir, donner votre opinion, il n'y a pas de problème. Mais de là à mélanger le journalisme là-dedans, là, désolé. Bon, bref. Ben, on laisse ça ici, pour, on va parler un petit pour peu. Les commentaires. Oui, parlons de nos amis, nos frères et sœurs au Chili, Jean-Numa. Oui, c'est apparemment, ça. Est-ce que tu savais combien ils étaient au Chili? Ben, on l'a dit au début de l'émission, c'est... Ah, ouais, tu le sais maintenant, 200 000. Oui, il y avait beaucoup de problèmes de trouver vraiment les chiffres exacts par rapport à ça. L'État ici ne pouvait pas fournir. Là, c'est le ministre de l'Intérieur qui le confirme. Oui, oui, ça, c'est on peut le prendre comme une information officielle. Mais apparemment, les autorités chiliennes sont en train de mettre un peu de la pression pour légaliser nos amis. Oui, ils donnent à Port-au-Prince, Santiago donne à Port-au-Prince, juillet 2019. Pour donner tous les papiers nécessaires et dont ils ont besoin pour régulariser la situation des Haïtiens au Chili, qui sont au nombre de 200 000, évidemment. Et les papiers, ce sont des certificats de bonne vie et mœurs, des ci, des ça. Et c'est pour ça qu'il y a toute une équipe, que ce soit composée de la police, du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, des affaires étrangères, de la justice, de l'intérieur, qui, cette équipe-là, doit s'envoler au Chili pour aller régler ça. Et s'il ne le faisait pas comme ça, ça aurait pris au moins 3 à 4 ans, selon le ministre de l'Intérieur, pour régler ça. Or,
en se déplaçant, en déplaçant une partie, hein, une cellule de l'État haïtien là-bas, ça permettra aux gens de régler cette question-là dans un délai de 6-9 mois à peu près. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Alors, le gouvernement chilien a demandé nous et qu'il y a PDO et qu'il y a besoin de certaines pièces et que pour cas peut-être régulariser cas haïtien pareil nous qui au Chili. Quantité par rapport à quantité de monde qui gagne l'autre bois et puis par rapport à quantité de prélèvement que a fait justement empreinte dans le DCPJ que a fait la Kounia qui est au nombre de 100, si on prend quantité haïtien ça qui au Chili qui a fait 100 par jour, il a pris au moins 3 ans pour ça pas régulariser. Or nous avons délai jusqu'à juillet 2019. C'est là nous devons avoir nécessité à faire une nécessité pour nous faire une synergie ensemble pour nous voir qui peut-être nous aider Frère Action qui est au Chili. Donc c'est ça que fait Kounia, il prend des dispositions pour envoyer de monde directement au Chili avec de nouveaux matériels justement pour y aller travailler la journée qu'on a nuit pour délai à respecter pour nous voir si au moins dans 6, 7 ou bien à 8 mois et que tout est ressorti sans nous gagner Frère Action qui est au Chili pour voir si on a joué un papier ça pour régulariser. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisagez une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246-1203, poste 242. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou avin plein on prend refus parce que dossier mal préparé formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça m'te parlé ou tu vois pour le même genre de dossier ti George WhatsApp Fanny madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin, rue El Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48-20-78-18, 22-09-76-82, Montréal 438-876-93-98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétiques à multi-inc à baisse ses prix, et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas, l'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expressions liquidées à seulement 4,25$. Cosmétiques à multi-inc, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques à multi-inc vous rembourse le double la différence. Cosmétiques Multi I4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514-89-5429. J'adore Cosmétiques Multi Ethnic. La beauté, à petit prix, ça marche. C'est 7h51 minutes, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Mm-hmm. Et c'est l'heure des commentaires. Le magazine Nos Nouvelles apporté par une texto. Nous sommes également en direct sur Facebook. Nous mm-hmm. serons en différé sur WhatsApp et YouTube tantôt. Alors, Lester, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, une semaine, il y avait une situation, même si c'est pas la même, hein, Jean-Étienne, mm-hmm. La mort par accident du maire assesseur Tony Vergniaud à Port-de-Paix et le maire principal Josué Alusma, et après le marquis s'est mis à couvert. On n'a aucune nouvelle de lui jusqu'à présent. Il ne s'est jamais exprimé là-dessus. Même si sa femme
beaucoup plus pour une pour c'est, en tout cas pour sa femme c'est pas un accident, ouais, c'est pas un accident. Georgine Vergniaud qui a accusé justement sans détour le maire principal monsieur Alusma là-dedans. Alors une semaine plus tard, voilà 5 jours déjà que le maire principal cette fois de Lester dans l'Artibonite est porté disparu. Alors selon les informations apportées par Johnson Richmond qui est le porte-parole de la mairie, depuis mercredi le maire et un des assesseurs ont pris le transport en commun. Ils n'ont pas de voiture, les tiens. Ça, on ne sait pas. Mais tu sais, pour une commune comme Lester, d'abord, Lester, comme on dit, c'est une commune qui se trouve au centre même de l'Artibonite, en quelque sorte. Ouais. C'est une petite commune. Soit sur la forme de, je connais Lester, de la superficie, et que ce soit pour le classement. Tu sais, en Haïti, on a des classes de communes. Lester fait partie des communes les plus pauvres, entre guillemets. Donc, ce n'est pas étonnant que Il y avait une grosse production de riz là-bas. Hein? Ben oui, c'est même pas seulement le riz. Lester aussi, c'est un centre commercial important entre le Gonaïve et Saint-Marc. Ouais. Mais malgré tout, sur le plan du classement général des communes, Lester fait partie des communes les plus pauvres d'Haïti. Des techniques qu'on va pas entrer dans les détails. Au point que le maire principal puisse acheter une voiture. C'est pas étonnant. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais c'est pas étonnant pour des communes comme ça. J'ai vu des choses comme ça. Non, c'est pas grave. Il aurait pu prendre le transport en commun. C'est ce que j'allais dire. Même s'il avait sa voiture, pour une raison ou une autre, il pouvait prendre le transport en commun. D'accord. Mais maintenant, ils sont allés à Port-au-Prince. Ils ont pris le transport en commun. Une fois arrivés à Port-au-Prince, ils ont pris des taxis moto. Ils se sont séparés. Enfin, selon les informations qui nous sont parvenues. Et puis, il est porté disparu depuis 5 jours. Selon la police, on a fait le tour des hôpitaux, des morgues, un peu partout, de son entourage. On n'a aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Il a deux téléphones. C'est très difficile de comprendre vraiment cette histoire parce qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de choses qui peuvent se passer dans des cas comme ça. Il est préférable qu'on n'émette pas beaucoup. Bon, il y a beaucoup de questionnements encore. On est vraiment à cette phase de se questionner, de savoir ce qui s'est passé. Il y a vraiment une liste inexhaustive de choses qui peuvent arriver. Mais ce qui est important de signaler, Jean-Numa, ces genres d'enquête-là, c'est pas des choses extrêmement compliquées. Déjà, tu sais que quand le gars il s'est déplacé, au minimum, tu peux trouver l'autobus qu'il a pris. Comment ça s'est passé? Il devait avoir des témoins, etc. C'est pas une enquête extrêmement compliquée où il y a beaucoup de choses. Non, ça peut devenir compliqué puisque une fois rendu à Port-au-Prince, il a pris un taxi-moto. Mais là, pour commencer l'enquête, tu as de très bonnes pistes. Si tu sais l'autobus qu'il a monté, tu vas trouver nécessairement des témoins qui te disent il a descendu ici, etc. En tout cas, laisse-moi te dire. Après 5 jours, là, ça commence à être vraiment inquiétant. Mais c'est clair. Vous souvenez de la disparition de Vladimir le Gagneur? Absolument. La police n'a toujours pas fourni d'explication par rapport à ça. On ne l'a toujours pas trouvé. C'est très inquiétant. Et officiellement, personne ne sait. C'est un peu comme Charlot Jacquelin. On n'a jamais trouvé son corps. C'est comme les enquêtes qui se poursuivent. Ouais. Il y a des affaires qui arrivent en Haïti, là. Mais quand tu es... C'est incroyable. J'ai l'image encore dans la tête. Quand tu es à la gare, ce qu'on appelle la gare de l'Artibonite à Port-au-Prince, tu prends un moto de taxi, n'importe quoi peut t'arriver. On est à 2 pas de Cité Soleil, ce gars-là, pour te rappeler. On est pratiquement au cœur de Cité Soleil. Si tu prends un moto taxi, vraiment, beaucoup de choses peuvent arriver facilement. Dans cette zone-là. Enfin, bref, il va falloir qu'on attende un peu. On va attendre. En tout cas, ça fait 2 municipalités où vraiment... Les maires de Saint-Marc et des autres communes devaient... ça devient un peu caduque, là, le fonctionnement. Port-de-Paix, Lester, et ça fait 2, là. Ouais. Donc, il va falloir adresser ça. Et il nous reste 1 minute pour parler de Jean-Renel Senatus. C'est dommage. Mais la question que je me pose, là... Et vraiment, Jean-Renel Senatus, il est non seulement sénateur, mais il est avocat. Et tout le monde reconnaît ses talents comme avocat. Il accuse carrément Gary Henry de diffamation et il a cité des noms. Il dit qu'il a des preuves. Oh, ma foi! Mais comme avocat, il devrait savoir comment déposer une plainte contre la diffamation. Je suis entièrement d'accord. Et c'est ça le problème. Pourquoi prendre les médias pour ça? Moi, c'est justement ça le problème que j'ai avec certains politiques et beaucoup de personnes en Haïti. Écoutez, il y a des institutions qui font les choses. Laissez les médias informer les gens. Ouais. Tu comprends? Et ça, je le dis dans les deux sens. Que ce soit certains
journalistes qui vraiment traitent n'importe quoi dans le média, que ce soit aussi des politiques qui pensent que avant même de, d'avoir un petit problème à la famille, on vient de raconter ça sur les médias. C'est comme la semaine dernière, au lieu le gars, ils disent qu'ils ont pris, saisi 15 voitures, au lieu de chercher l'identité des voitures, ils viennent dans la presse pour raconter ça. Oui, mais vous vous souvenez, à la mi-mars dernier, il y a un journaliste de Radio-Canada qui s'est fait arrêter. Pourquoi? Parce qu'il faisait son travail. Ben oui, parce que oui, justement, absolument. Il a essayé d'interviewer une dame qui est avocate et effectivement, la dame considérait que le journaliste l'harcelait et a porté plainte. On a dû arrêter le journaliste. Il a été libéré par la suite, mais la dame a utilisé justement les circuits juridiques pour régler cette question-là. Et vous êtes non seulement sénateur, vous êtes avocat, vous n'êtes pas capable de porter plainte et de le faire arrêter si vous avez des preuves. Ça, c'est il faut vraiment. Pourquoi on doit régler tout ça sur la place c'est publique? C'est pas normal et c'est dommage. Il va falloir qu'on arrive à un moment où on puisse faire les choses correctement, que les institutions prennent leur place et que on met chaque chose à sa place. C'est fou. On n'a pas commencé à l'heure, mais on doit terminer. Ben oui, c'est comme ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Demain, 58 déjà. On vous retrouve pour une autre édition.